Il y en a marre de la doxa. Vous comprenez ça? Parce que pour le moment, on est calme, mais bientôt, ça, on va pas le rester calme. Vous pouvez parler tranquillement. On monsieur. Votre direction, on est con à Ronde. Mais foiré. Pourquoi vous m'insultez? Est-ce qu'on peut parler tranquillement? Est-ce qu'on peut parler tout tranquillement? Oui. On va rester poli. Vous avez raison à ce que vous dites. Un jour, vos directions, et vous qui acceptez ce travail, vous aurez des comptes à rendre, monsieur. De quoi vous parlez? Oui, de la désinformation. Vous êtes des porte-parole. De la peur. De la pandémie de la peur. On tue, on tue avec cette injection expérimentale. On tue des enfants. On tue tout le monde. Il n'est même pas grave. Mais c'est pas vous avez de la chance, hein. Vous faites ça aux gilets jaunes, vous ferez défoncer la gueule. Parce que là, là. On devrait vous péter la gueule. Pourquoi vous savez veulent des suceurs du gouvernement. Des suceurs du gouvernement. Des enfoirés. Vous soutenez cet enfoiré de Macron, là. Vous ne dites que des mensonges. Combien vous touchez pour faire vos boulot? Des injections. Les injections. Vous pensez, monsieur, que je suis payé par les laboratoires pour faire mon travail? Et vous êtes corrompu comme c'est pas possible. Ah, vous pensez ça. Citez les gens au vaccin. 70% des personnes en réanimation sont non vaccinées. Pas vrai. Mensonge. Faux d'état. Mensonge. Perroquet. Il n'y a qu'un perroquet, monsieur. Monsieur. Alors, ce qui est très compliqué avec ces gens, on va mettre pour le moment les insultes et les menaces de côté, on en reparlera après.